Dreux, sous-préfecture d'Eure-et-Loire, 35 000 habitants et 9 000 immigrés. Avec Marseille et certaines banlieues de la région parisienne, Dreux fait partie de ces villes où l'on compte le plus d'étrangers par rapport à la population. Tout a commencé dans les années 50 quand les entreprises parisiennes se sont déconcentrées et ont installé à Dreux leur unité de fabrication. Les industriels ont alors fait venir, dans un premier temps de Bretagne puis d'Europe latine, de la main-d'œuvre bon marché, attirée par la ville, par la société moderne. Il n'y a pas des étrangers à Dreux, il y a des communautés étrangères extrêmement différentes. Et l'on compte parmi les chiffres qu'on vous donne, par exemple, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, qui sont à Dreux depuis les années 30 et qui sont parfaitement intégrés à la vie drouaise, qui aujourd'hui occupe aussi bien des postes d'OS que des postes de cadre ou de membres des professions libérales. Or, la communauté portugaise, par exemple, est la plus importante parmi les communautés d'étrangers à Dreux. Les problèmes que nous avons sont le problème de ces émigrés que les entreprises ont fait venir depuis le début des années 50, parfois clandestinement. Elles ne nous avertissent pas, les entreprises, qu'ils arrivent. Et nous avons, nous, à prendre en charge l'ensemble des problèmes que posent ces étrangers sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Et ces problèmes sont en effet considérables. Le problème numéro un, le travail, c'est lui qui a fait venir les étrangers et aujourd'hui la crise et le chômage les touchent de plein fouet. Pour un immigré, ne plus avoir d'emploi, cela veut dire pour lui aussi les illusions perdues et à terme le retour au pays pour retrouver la misère et le sous-développement. Alors tous les moyens sont bons pour venir et rester dans cet Eldorado que représente la France à leurs yeux. Passage clandestin de la frontière, faux permis de séjour, contrat de travail bidon. Ainsi, ces Turcs arrivaient de Paris, où un patron à la cool les employait sans papier à son atelier de confection. Quand le 1er août, ils voulurent régulariser leur situation, comme le permettait le gouvernement, le patron les a licenciés, ils ont débarqué à Dreux et espèrent y travailler grâce à un vague cousin. Depuis quand êtes-vous en France? Et pourquoi êtes-vous venu en France? Parce qu'il est dit travailler. Depuis le 1er août, la sous-préfecture délivre aux clandestins ce certificat provisoire de séjour. Provisoire car au bout des 3 mois, il faudra le renouveler et présenter pour cela un contrat de travail, car sinon... Lorsque le gouvernement a arrêté les expulsions, nous en sommes réjouis comme tout le monde. On a fait connaître notre opinion là-dessus. Tant qu'il y aura des mesures qui favoriseront les intérêts des travailleurs immigrés, bon, on sera là pour nous en réjouir. D'autre part, bon, il nous semble que les mesures qui ont été prises jusqu'ici ne sont pas encore suffisantes et qu'on a encore du travail à faire, nous, en tant que MRAP. C'est-à-dire que vous ne craignez pas quand même que des étrangers soient expulsés après le 1er janvier 82? Ben justement, bon, ça semble pas clair. Bon, ces mesures justement dont vous parlez ne semblent pas claires. Et on va continuer, nous, à faire notre travail pour protéger les immigrés. Que ce soit celle de Londres ou celle de Lyon, les grandes banlieues européennes découvrent aujourd'hui la deuxième génération d'immigrés. Ces jeunes ne sont plus tout à fait des étrangers, mais pas encore des Français à part entière. Ce problème lié à une condition sociale précaire provoque une délinquance qui, à Dreux, n'en est encore qu'au stade du chapardage, de la dégradation gratuite des immeubles ou des voitures. Pneus crevés, rétroviseurs arrachés, et vous allez le voir, ces délinquants n'ont parfois même pas 10 ans. À deux autres garçons. À deux autres garçons. Oui, ils sont de l'autre côté. Tu les connais pas? Si. Ils habitent ici? Oui. Le cyclomoteur, tu sais qui c'est? Non. D'où il vient? Ah, oh, ils sont bien à eux. Bien à vous? Non, pas nous, son frère. Bon. Oui, c'est son frère. Moi, je suis. Oui, là, moi, je suis de l'autre côté. Oui. Vas-y, dis-le moi, t'habites. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le cyclomoteur, là? Le cyclomoteur? Oui. Qu'est-ce que tu veux en faire du cyclomoteur? C'est pas à moi. Sur ce tableau, les chiffres de l'an dernier relatifs aux faits constatés par la police. Répétons-le, il ne s'agit que de petites délinquances contre laquelle la police ne peut pratiquement rien faire, sinon ce genre d'intervention quotidienne plus préventive que répressive. Tout est cassé. Qui est-ce qui l'éclate? Vous ne savez pas?
C'est pas amusant de chercher quelqu'un ici. L'appartement à côté, là, il est bien, tu trouves? Si en proportion la criminalité est plus importante en milieu étranger, il faut bien se garder d'en tirer des conclusions hâtives. Le problème des étrangers n'est pas un problème racial, mais un problème social. À Neuilly, vous avez énormément d'étrangers, mais ce sont tous des attachés d'ambassade ou des ambassadeurs. Ils ne posent pas du tout les mêmes problèmes, ils vivent dans de belles résidences. Le problème est que, c'est vrai, les entreprises qui ont fait venir des étrangers n'ont pas fait venir des cadres étrangers, mais ont fait venir des OS qui ont peu de moyens pour se loger et qui du fait de l'urbanisation de la ville, se sont retrouvés effectivement dans les HLM de la périphérie. En matière d'insertion sociale, tout commence pour la deuxième génération, voire la troisième, par l'école. Le rôle de l'enseignant est primordial dès la maternelle. Les enfants dont il aura la charge totale, 8 mois sur 12, n'ont aucun autre univers que celui de leur quartier. Et oui, ceux-là ne partent jamais en vacances. En plus d'une grande demande d'affection, ces enfants se heurtent au difficile apprentissage de la langue. En petite section, un enfant qui arrive en petite section, la plupart du temps ne connaît pas un mot de français. Le premier mot qu'on apprend, c'est maîtresse, pipi... C'est surtout parce, ça. Parce que chez lui, il ne parle pas français. Ah non, peu. Les grands frères parlent français, ils connaissent quelques mots de français, mais entre parler français et connaître un mot, c'est... Donc, c'est un enfant qui, à l'âge de 5-6 ans, sera en principe bilingue. En principe, hein, un enfant, le langage à 5-6 ans n'est pas bien mis en place. D'où, dès le départ, une scolarité perturbée. Dans cette école, 10% seulement des enfants sont français, une proportion bientôt réduite à zéro car les parents français ne veulent plus, à juste titre, que leurs enfants ne subissent les conséquences de cette situation. Et puis, il y a les adolescents. Héritiers d'un passé qui ne les regarde pas, ils vivent, comme m'a confié un garçon de 16 ans, dans ce qu'ils considèrent une véritable prison. Quand on sort de l'école le jour de ses 16 ans et que l'on n'a pratiquement rien dans les mains pour se placer dans la compétition de l'emploi, que faire de ses journées, de ses soirées? Tourner inlassablement à vélo moteur, aller dans les 2 ou 3 cafés ouverts le soir, chercher à remplir ce grand vide, voilà ce qu'est leur vie. Ce qu'on voudrait, c'est d'avoir un petit peu de boîte de nuit par ici pour pouvoir aller danser. Puis disons qu'il y a des jeunes qui font des conneries, c'est à peu près... Je trouve que c'est à peu près normal, c'est normal qu'ils fassent des conneries, parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de salle de jeu, ils n'ont pas de quoi, un local, ou quoi que ce soit, disons. Donc on peut mettre des disques. Voilà, qu'ils peuvent s'amuser, c'est normal qu'ils font les conneries, les jeunes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est très surveillé par la police, Dreux, le soir? Pas contre les autres, mais on est quand même bien surveillé. Ça se traduit comment, ça? Vous faites interpeller souvent? Non, parce qu'ils ont l'habitude, ils connaissent tout le monde. Ouais, maintenant ils connaissent tout le monde, alors. Ils jouent à la bluff? Non, mais ils connaissent tout le monde, alors ils tournent avec leur... Comme dans toutes les villes, hein. Ils font leur boulot. Qui rencontres-tu le soir? Tous les garçons de mon âge, les gens que j'ai envie de rencontrer. Et t'aurais envie de pouvoir faire autre chose le soir? Ben, s'il y avait autre chose, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais faire, par exemple? Ben, c'est pas le soir que j'ai envie de faire quelque chose, c'est le jour plutôt. C'est bosser. Tu es au chômage, là? Ouais. Ça fait longtemps que tu es au chômage? Ouais, assez longtemps, depuis que j'ai quitté l'école. Et comment tu vis alors? Ben, comme tout le monde, comme tous les jeunes de mon âge, des parents. Seulement les parents, quand ils peuvent les aider financièrement, n'ont rarement le temps ou l'envie de proposer une occupation à leurs enfants. Il reste bien sûr les foyers comme celui-ci, le Mill Club. Il a curieusement brûlé au cours de l'été, origine criminelle, auteur inconnu. Selon vous, comment votre action est-elle perçue au niveau de la population? L'incident du Mill Club, c'est pas un peu révélateur quand même? C'est sûr que, bon, il y a un risque, bon, il y a un double risque déjà qu'une partie de la population ait l'impression qu'on en fasse que pour les immigrés. C'est des choses qui ont été dites, il y en a que pour eux. Bon, je pense pas que ça soit le cas, bon, loin de là. Bon, et l'autre risque, c'est que c'est un peu le risque inverse, quoi. C'est que, bon, en particulier au niveau des jeunes, ils se sentent un petit peu, bon, rejetés en disant, pour nous, on fait pas cette chose. Il y a, bon, par exemple, au niveau sportif, beaucoup de choses qui se font sur Dreux, et c'est vrai que l'intégration des migrants est beaucoup plus difficile. Bon, de par la législation, par exemple, qu'il est plus difficile, bon, à des jeunes de faire du football parce qu'ils sont immigrés, et que dans une équipe, on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 étrangers, quoi. C'est un problème tout bête, mais des fois, ça freine l'intégration. 30% d'étrangers dans une ville, c'est viable, selon vous?
Moi, je pense que si effectivement un certain nombre de problèmes sociaux sont réglés, le problème de racisme tomberait de lui-même. C'est évident qu'à partir du moment où des gens sont au chômage, il est facile de trouver un bouc émissaire en disant c'était l'étranger qui a mangé notre pain. Bon, s'il y avait effectivement le plein emploi pour tous, je pense qu'un certain nombre de problèmes liés au racisme tomberaient d'eux-mêmes, quoi. Mais tout n'est heureusement pas sombre dans ce tableau. Ces jeunes Français et Algériens sont allés ensemble au mois d'août en Algérie. Un voyage découverte pour les uns et les autres, un voyage qui leur a permis de faire le point sur le racisme tel qu'on le vit tous les jours lorsque l'on a 15 ans. Y a des filles qui peuvent pas rester avec moi et puis qui restent avec des autres garçons. Parce que tu es Algérien. Ouais. Et plus tard, bon, tu as l'intention de rester en France ou de retourner en Algérie? Ben non, je vais retourner en Algérie, là, pour travailler là-bas, puis quand mon père, il sera vieux, il sera là-bas. Tu crois que les Algériens qui vivent en France sont différents des Algériens qui vivent en Algérie? Ben oui, ils sont différents. Pourquoi? Enfin, moi, je les ai trouvés différents. Bah, c'est pas leur pays, ici. C'est pas... Ils sont pas chez eux. Ils se sentent pas chez eux d'abord. Puis. Et tu crois pas qu'il y a un peu la faute des Français aussi? Ouais, peut-être, sûrement. Est-ce que tu as été raciste ou est-ce que tu l'es encore? J'ai été, puis. Maintenant, enfin. Je suis un peu moins. Parce que je les ai vus là-bas vivre et puis. Ils m'ont reçu. Ils m'ont bien reçu, quoi. Et toi, tu te sens française ou algérienne? Je sais pas, je peux pas le dire. Tu sais pas? Non. Et plus tard, bon, tu comptes rester en France ou retourner en Algérie? Là où sont nés tes parents? J'y retournerai, mais en vacances, c'est tout. Tu préfères vivre en France? Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, je suis née là. Mais tu te sens pas tout à fait française? Ah ouais, pas tout à fait, non. Les Harkis sont des Français d'origine musulmane qui sont arrivés à Dreux en 1962. Effectivement, une cité a été construite pour eux et il y a là aussi un phénomène de ghetto. Ces Français musulmans ont une volonté très forte d'intégration. Et malheureusement, je dirais que notamment pour les jeunes, ils sont trop souvent victimes de racisme, notamment à l'embauche, et cela leur pose énormément de problèmes puisqu'ils n'ont pas, eux, la possibilité de retourner dans leur pays d'origine. 2500 Harkis vivent à Dreux, 2500 qui, comme la jeune Malika, ne se sentent pas, malgré l'histoire, des Français comme les autres. Une seule question, le scandale va-t-il durer encore? Trop longtemps ignorés, les immigrés vont, paraît-il, être l'objet de mesures qui devraient en faire des Français presque comme les autres, mais avant tout, tout est une question de mentalité. J'ai vu cette ville, depuis que je suis enfant, grandir. Et cette ville a connu beaucoup de traumatismes. Le premier que j'ai connu, moi, ça a été l'arrivée de nombreux immigrés de l'intérieur. Des Bretons, par exemple, qui sont arrivés chassés de la terre pour venir vivre à Dreux. Et à l'époque, il y avait aussi une sorte de racisme à leur égard. On disait qu'ils mettaient le charbon dans la baignoire et qu'ils avaient des poules chez eux. Eh bien, nous connaissons cela avec les nouveaux étrangers dans la ville. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une tolérance mutuelle de part et d'autre et une meilleure connaissance par les Français de l'origine de la venue de ces étrangers en France. Encore une fois, ce sont les entreprises qui les font venir pour travailler dans des conditions souvent difficiles. Et je crois qu'il faut les respecter, non seulement en tant que travailleurs, mais en tant qu'hommes, femmes et enfants. Cela dit, nous estimons qu'à Dreux, nous avons suffisamment d'étrangers et que nous voudrions résoudre leurs problèmes avant d'en voir arriver d'autres. Tolérance et respect, tant que ces deux termes ne trouveront pas leur signification dans la vie quotidienne des Françaises et des étrangers, rien ne pourra se faire. Alors puisque les uns et les autres sont condamnés à vivre ensemble, pourquoi ne pas essayer ?